Bonjour mes chers amis et bienvenue à ce retour de l'oncle Gilles avec sa boîte rythmique. Oui, en 1985, alors que le groupe Manège s'était dissous et que je me retrouvais seul pour créer de la musique, j'avais mon enregistreuse à quatre pistes et puis j'ai par la suite ajouté un autre instrument qui devait devenir un bon compagnon. Il s'agissait d'une boîte rythmique. Alors, j'ai essayé toutes sortes de machines et mon choix s'était arrêté sur une que je trouvais qui sonnait le plus comme une vraie batterie. Je m'étais procuré à l'époque une petite console de 6 entrées. Alors, avec ma boîte rythmique et mon 4 pistes, c'était suffisant pour créer de la musique. Bien sûr, quand on est batteur, on aimerait ça avoir un bon micro avec un bon préamp qui va dans une bonne console ou une console qui a des bons préamps. Chaque micro spécial pour chaque tambour, mais à l'époque, avec ma petite boîte rythmique et en y mettant beaucoup de temps, évidemment, j'arrivais à programmer les volumes à l'intérieur de ça, à créer les rythmes, tout ça. C'était du travail ardu, mais je m'amusais beaucoup avec ça. En 1985, mon travail de création se situait surtout à écrire des belles partitions pour les Connexions Québec, Drumline, l'ensemble de percussions du groupe Connexions Québec qui compétitionnait aux États-Unis pendant les étés. Et le reste du temps, j'étais avec mon petit 4 pistes et ma boîte rythmique et là, ça chauffait. Toujours en 1985, il y eut un spectacle intitulé Percussion Montréal 85. Je fus invité à me former un orchestre avec M. Luc Sicard et puis on s'est produit sur une scène avec la section des percussions de Connexions Québec et le roi du drum, le fameux feu Guy Nadon. C'était la première fois où je pouvais utiliser mon matériel que j'avais inventé avec ma fameuse 4 pistes et ma boîte rythmique.